75 de Columbia en mid. Donc c'est une paire de chaussures qui pèse à peu près 400 grammes et qui taille très grand. Moi j'avais un peu anticipé, j'avais pris un 42,5 pour un 43 et j'étais obligé de rajouter une deuxième semelle pour que ça soit correct, quoi. Donc comptez au moins une pointure de moins que votre taille normale pour que ça aille, quoi. Voilà, c'est une chaussure qui est dans le style très confortable avec un gros amorti, mais souple. Voilà. Donc c'est confort, souplesse. Après, une semelle Columbia qui s'en sort pas mal, plutôt sur le sec que sur le mouillé. Sur le mouillé, c'est pas assez cranté. Mais en adhérent sur le rocher, c'est pas mal. Alors cette semelle là, c'est Adaptrax, ça a l'air d'être son nom. Donc voilà, ce sont des picots en perpendiculaire à la pente. Bon, c'est une semelle qui est pas mal, mais elle n'aimera pas les pentes d'herbe et d'herbe mouillée. Il faut évidemment pas aller sur la neige avec, donc on reste sur de la moyenne montagne. Et le mieux, c'est quand même les sentiers balisés, parce que c'est une chaussure qui est très souple. Il faut bien l'ajuster avec ses lacets. Ces lacets qui sont assez fins mais larges. Bon, les lacets vont pas très loin devant, donc on n'a pas une précision devant. C'est vraiment une chaussure qui n'est pas faite pour ça. C'est une chaussure confortable, souple. Voilà. C'est très bien, par exemple, quand on est fatigué, qu'on n'a pas envie de se la donner, ou quand on a des blessures au genou, des fatigues. Voilà, c'est une chaussure reposante.